Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton cinquième jour, parce que nous sommes à la tombée de la nuit. Et tu dis que il y eut un soir, il y eut un matin. Alors merci pour ton cinquième jour, merci pour le temps que tu nous accordes, pour ta présence, pour ton amour. Bénis cette petite rencontre, Seigneur, ce culte en ton honneur. Bénis ton serviteur qui va porter ton message. Bénis ton peuple et aide-nous. Amen. Alléluia. Alors, si mon peuple m'écoutait, Psaume 81, lancez des cris d'allégresse vers Dieu notre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Entonnez un chant. Faites résonner le tambourin. Pincez la lyre harmonieuse, jouez sous le luth, embouchez le cor au début du mois, à la pleine lune, au grand jour de fête. C'est la loi pour Israël. C'est une ordonnance du Dieu de Jacob. Et c'est un décret qu'il établit pour Joseph quand il attaqua le pays d'Égypte. J'entends un langage que je ne connaissais pas. J'ai déchargé ses épaules du fardeau. Et ses mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Tu étais dans la détresse, tu as appelé. Alors je t'ai délivré. Je t'ai répondu, caché au sein du tonnerre, et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Écoute, ô mon peuple, je t'avertirai. Ainsi seulement tu m'écoutais, Israël. Tu n'auras chez toi aucun autre Dieu. Tu n'adoreras aucun des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai laissés aller selon leur cœur obstiné. Ils n'ont fait que suivre leurs propres idées. Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sous les voies que j'ai prescrites, je ferais en un instant plier tous ses ennemis, et je tournerai ma main contre ceux qui les oppriment, et ceux qui haïssent l'Éternel lui sera assujetti. Le temps de leur soumission durerait toujours. Je nourrirai Israël de fleurs de flamant, et je le rassasierai du miel d'abeilles sauvages. Amen, amen, amen. Merci pour ce beau psaume. Si mon peuple m'écoutait, merci de ton amour, merci pour la joie, merci pour tes fêtes, merci pour tout. Merci car tu es je suis. Tu es je suis dans tout. Tu es je suis en haut, tu es je suis en bas. Merci, je suis. Merci de tes bienfaits. Merci de tes prodiges. Merci de tes bénédictions. Merci parce que tu es trois fois saint. Amen. Merci parce que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Merci car tu es amour. Merci parce que tu es tempête. Merci car tu es Dieu, tout simplement. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais tu es aussi notre Dieu ici. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu feras et que tu feras encore et que tu as déjà fait. Merci. Le Seigneur, nous allons prendre le repas en ton honneur. Merci de bénir ce repas en ton honneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Goliya Belikin Shaïn Sika. Alors, je vais faire une petite surprise là. Alléluia. Amen, on va amen. Faire quelque chose. En ce premier jour de la lune,
Qu'est-ce qui se passe le premier jour de la lune? Le premier jour de la lune. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on... Alors, prenons Nombre 10, verset 10. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait le premier jour de la lune? Qu'est-ce que l'Éternel a dit pour fêter le premier jour de la lune? Il faut faire quoi? Sonner la trompette. Sonner la trompette. Sonner de la trompette. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Hein? Et je ne me suis pas échauffé. De joie lors de vos fêtes religieuses et au commencement des mois. Lorsque vous ouvrirez vos holocaustes, vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Ce sera un moyen de vous rappeler au souvenir de votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. On va voir ce n'est pas. Ça gêne pas? Non? Alléluia. On va allumer le chandelier. Amen. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que je ne sais pas si je vais mettre un truc derrière pour que vous puissiez bien voir. Je vais mettre le calendrier derrière. Alléluia. On va la date d'aujourd'hui. Alors, nous sommes la huitième lune. Et à chaque nouvelle lune, eh bien, nous allons sonner de la trompette. Amen. Pour annoncer eh bien, le nouveau mois. Pour annoncer que nous sommes passés dans un autre temps. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes Rosh Hodesh, hein, qui veut dire nouvelle lune. La huitième de l'année. Depuis la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, nous sommes la 1992e année et nous sommes la 8e lune. Ce qui veut dire que cette année, ça fait 1992 ans que l'église de Yeshua existe. 1992 ans que l'épouse attend le retour de l'époux. Alléluia! Que les vierges sages et les vierges folles, eh bien, leur lampe est allumée. Mais on sait que lorsque l'époux reviendra, c'est que les vierges sages qui auront une réserve d'huile. Amen. Alors, ça fait 1992 ans, soyons sages. Ne disons pas, nous avons assez d'huile. Ne disons pas que Yeshua revient demain. Les vierges folles, elles ont dit que l'époux va pas tarder. Mais l'époux a tardé. C'est pourquoi ils n'avaient plus d'huile. Qu'elles n'avaient plus d'huile. Parce que si nous disons Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient bientôt. Alors nous disons, bon, comme il revient bientôt, on n'a pas besoin... de se faire vacciner, on n'a pas besoin de se soigner, on n'a pas besoin de prendre soin de soi, on n'a pas besoin de vestir, on n'a pas besoin de planter d'arbres fruitiers, puisqu'il revient bientôt. On n'aura pas le temps de manger les fruits.
Ou des fois, on se dit, bon, comme on est vieux, on ne plante pas. Mais il faut planter aussi pour la génération future. Amen. La génération à venir. De même que nos parents ont planté pour nous, plantons aussi. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes la huitième lune de la 1992e année depuis le départ de Yeshua. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la nouvelle lune. Mais pour parler de la nouvelle lune, nous sommes obligés de parler du calendrier. Quel calendrier Yeshua suivait? Pourquoi Yeshua puisse se trouver, aller dans toutes les fêtes? Il suivait un calendrier. Amen. Quel calendrier qu'il suivait? Oui, mais il y avait plusieurs courants. Vous avez les pharisiens, vous avez les sadducéens, vous avez les anciens, les lévites, et vous avez aussi, il y a un groupe qu'on ne parle pas de la Bible, les esséniens, qui étaient une secte, qui était, on dit, du côté de la mer Morte, dans les grottes. Mais est-ce que vous pensez que c'est le calendrier des esséniens que les prêtres qui sont dans le temple suivaient? Non. Eux, ils suivaient le calendrier du temple. Amen. Eux, ils suivaient le calendrier du temple. Les sadducéens, tous ceux qui venaient à Jérusalem, ils suivaient le calendrier du temple. Et c'est ça que nous allons voir. Pour connaître les fêtes de l'Éternel, il faut connaître le calendrier du temple. Qui veut dire le calendrier du temple? C'est le calendrier que les pharisiens suivaient. Puisque les pharisiens étaient là. Amen. Les pharisiens suivaient le calendrier du temple. Quel était le calendrier des pharisiens? Est-ce le calendrier qu'on a retrouvé dans les grottes de Qumran? On dit le calendrier du Nord, mais nous allons voir aujourd'hui que ce n'est pas le calendrier du Nord. Quel calendrier qui suivait pour faire les fêtes de l'Éternel? De façon que toute la diaspora de Juda, qui soit en Judée, qui soit en Galilée, qui soit dans le monde entier, ils savent que c'est l'heure qui est arrivée. Amen. Ils savent que c'est l'heure. Ils savent que c'est le temps. Amen. Cher Jésus. Amen. Alléluia. Qui veut dire que Yeshua suivait un calendrier. Et aujourd'hui, il y a un calendrier qu'on a retrouvé dans les grottes de Qumran. Nous allons vérifier si c'est ce calendrier que le Seigneur suivait. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce calendrier qu'on dit le calendrier d'Enoch, aujourd'hui, c'est le 15. Aujourd'hui, c'est le 15. Le 15 de ce calendrier. Et qui fait que, pour ceux qui suivent ce calendrier, c'est aujourd'hui qu'il commence la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Alors, nous le souhaitons une bonne fête de Sukkot. Il vaut mieux fêter la fête de Sukkot tard que ne pas la fêter du tout. Amen. Si les chrétiens fêtaient Sukkot, même si c'était en décembre, au moins que les chrétiens reconnaissent les fêtes de l'Éternel. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne reconnaissent pas les fêtes de l'Éternel. Disons, la majorité des chrétiens ne reconnaissent pas les fêtes de l'Éternel. Pour eux, c'est l'ancienne alliance. Mais nous, nous avons reçu comme ordre du Seigneur, Ésaïe 56, verset 23, tu peux le lire. Ésaïe 53. Nous avons reçu, nous, à Alléluiaoué. Beth Alléluiaoué TV. Notre maison a reçu comme ordre, comme mission, Ésaïe 56, le dernier chapitre d'Ésaïe, et le verset 23, l'avant-dernier verset.
57 ou tu as Ésaïe là? 66, excuse-moi, 66. Dernier, oui, 66. Verset 23. Alors, verset 23. Il adviendra alors que régulièrement, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Alléluia! Tous les humains, tous les êtres vivants, eh bien, parmi ces humains, la maison Beth Alléluia, oui, fait partie de cela. Ceux qui se prosternent, un jour comme aujourd'hui, un jour de nouvelle lune. Non seulement les jours de sabbat, mais aussi les jours de nouvelle lune. Et nous avons vu les sabbats du septième jour, mais il y a aussi les sabbats annuels. Amen. Qui est le premier jour des pains sans levain, le septième jour des pains sans levain, Shavuot, qui est Pentecôte, la fête des trompettes, Yom Kippour, le premier jour de Sukkot et le huitième jour de Sukkot. Alléluia. Amen. 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 Alors, et nous fêtons, eh bien, chaque nouvelle lune, eh bien, nous allons sonner pour vous la trompette. C'est un instrument sonore qui permet d'alerter, qui permet d'annoncer la venue du Messie. À chaque nouvelle lune, nous devons annoncer que le Messie peut venir dans ce mois-là. Nous devons nous préparer à la venue de l'Époux. Amen. C'est ça le but des nouvelles lunes. Fêter les nouvelles lunes, ce n'est pas sorcier. Fêter les nouvelles lunes, ce n'est pas à laisser pour le diable. Amen. La lune qu'il a créée, c'est l'Éternel. Amen. Et il a créé, c'est pour comme signe. Amen. Afin de nous rappeler qu'on entre, qu'on se rapproche de ses promesses. On se rapproche de la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Parce que une nouvelle lune, c'est quoi? C'est chaque fois que la lune a fait le tour de la Terre complètement et retourne au point de départ. C'est-à-dire, elle se trouve entre la Terre et le Soleil, bien alignée. Et c'est à une nouvelle lune qu'il y a les éclipses solaires. Parce que la lune, elle cache le Soleil. Amen. Et quand... Ça veut dire que le temps, c'est un autre tour. La lune fait un autre tour. Chaque fois que la lune fait un tour, cela veut dire qu'on se rapproche du retour du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il est dit que la lune se changera en cendre. Amen. Et le soleil en cendre. Parce qu'on n'aura plus besoin de lune, on n'aura plus besoin de soleil. Qui veut dire, aujourd'hui, on a besoin de la lune. Aujourd'hui, on a besoin du soleil. Mais la lune n'est pas là seulement pour refléter la lumière du soleil la nuit. La lune, elle est là aussi pour donner des signes pour l'agriculture. Pour savoir à quel moment planter, à quel moment semer, à quel moment récolter, à quel moment vendanger. C'est extraordinaire. Même ceux qui ne sont pas des hommes spirituels, ils suivent la lune. Allez voir, nous qui sommes des hommes de Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons comprendre que l'Éternel a créé la lune, n'a pas créé la lune par hasard. Savez-vous, lorsqu'il a démarré, c'est la lune, c'est le rapprochement de la lune avec la terre
qui fait que les océans se soulèvent. Ça fait la mer, la marée haute. Et après, quand c'est la marée basse, la mer se retire. C'est l'effet magnétique de la Lune. Même la Lune crée des magnétismes sur certaines pierres. Je ne me rappelle plus cette pierre-là que les gens peuvent charger à la pleine Lune. C'est une pierre qui fait du bien. Mais tout ça, c'est Dieu qui a créé ça. Mais je vous dis que c'est pas marqué dans la... Mais c'est Dieu qui a créé tout ça. Alléluia. Allez, l'important jour, on va vraiment étudier la nouvelle lune, à quoi ça sert. Mais aujourd'hui, pour pouvoir connaître les fêtes de l'Éternel, il faut connaître quel est le calendrier que Yeshua utilisait. Amen. Ah, c'est pourquoi il y a un calendrier qu'on appelle le calendrier Enoch. Nous allons vérifier si vraiment tu as ton téléphone, j'espère. J'ai devoir chercher pour un moment. Et pour qu'on puisse lire rapidement, nous allons lire un texte d'Enoch et nous allons comparer pour savoir est-ce que réellement le calendrier qu'on a retrouvé à Qumran, est-ce que c'est le calendrier d'Enoch? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on t'attend pour que tu puisses nous prendre ça. Alors, le temps, je mange un petit peu avec vous. Amen. Alors, pour ça, nous allons lire ceux qui ont le livre des notes. Nous allons lire Enoch, le chapitre 13. Alors, comme c'est en la quatrième, alors c'est la page 3, le quatrième ciel, le soleil et la lune. Sur par mail. Alléluia. Alors nous avons une velouté de poutiron. Alléluia. Tu as sur ton mail là? Amen. Amen, tu n'as rien reçu? Si. Alors, on va comprendre la page 3. La page 3. Enoch, l'Éternel envoie deux anges le chercher. La page 3. Et le chapitre 13. L'Éternel envoie deux anges chercher Enoch. Alors, c'est un X et trois bâtons. C'est un chiffre romain. Et l'Éternel envoie chercher Enoch. Et il est enlevé. Mais pas l'enlèvement définitif. Il est enlevé quelques jours avant son enlèvement. Où il a une vision. Et là, l'Éternel lui fait passer les sept ciels. Et arrivé au quatrième ciel, c'est le ciel du soleil et de la lune. Alors, lisons cela à partir du chapitre 13, ce premier temps. Et les hommes me portèrent vers l'Orient du ciel, et ils me montrèrent les portes par lesquelles le soleil se lève
selon les temps fixés et selon les circuits de la lune de toute l'année et selon la diminution et l'allongement des jours et des nuits, six grandes portes, l'une ouverte à une distance de 30 stades. Je m'appliquais à mesurer leur grandeur et je ne pus connaître leur grandeur. Par ces portes par lesquelles il se lève, le soleil va au couchant. Par la première porte, il sort pendant 42 jours. Par la deuxième, pendant 35 jours. Par la troisième, 35 jours. Par la quatrième, pendant 35 jours. Par la cinquième, pendant 35 jours. Par la sixième, pendant 42 jours. Et de nouveau, revenant par la sixième porte, selon le circuit des temps, il se lève par la cinquième porte pendant 35 jours, par la quatrième porte pendant 35 jours, par la troisième porte pendant 35 jours, par la deuxième pendant 35 jours, et les jours de l'année s'accomplissent selon les retours des temps. Amen. On va s'arrêter là. Et on va essayer de voir combien de jours tout ça fait. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors, on va prendre le tableau. Alors, on va prendre le texte. Alors, je vous ai déjà écrit, hein. Là, c'est le cycle, le décompte selon le soleil. Et tout à l'heure, nous allons voir le décompte selon la lune. Alors, le décompte selon le soleil. Reprends pour moi. Il a eu combien de portes? Reprends. Chapitre 13. Alors, les hommes me portèrent vers l'orient du ciel. Et ils me montrèrent les portes par lesquelles le soleil se lève, selon les temps fixé selon les circuits de la lune de toute l'année et selon la diminution et l'allongement des jours et des nuits, six grandes portes. Combien de portes? Six. Six. Et il y a combien de portes? Combien de mois dans l'année? 12. Alors, première chose, dans le calendrier des Nôtres, vous avez six portes. Mais bon, j'ai mis 10, vous allez comprendre pourquoi. Je vais l'enlever là. Parce que le calendrier des notes, arrivé à la sixième porte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Hein? Je prends ça pour vous. Alors je prends un globe pour vous, un globe terrestre, voyez. Il part de l'est. L'est sur cela, c'est laissé par là. Ouais, voilà, laissé par là. Il part de l'est. Et arrivé là, il fait 6 heures. Et après, il retourne vers l'est. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que le calendrier des Nôtres, au lieu de dire après 6, 7, mais que le fait que ça refait, ça fait demi-tour, ça ne veut pas dire que ça revient comme ça. Alors, le fait qu'il aille là, ben, ça revient du 6, tu passes au 5, et on recommence comme ça. Amen. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi le calendrier des Nôtres. Alors, du coup, moi, je n'ai pas mis 5, mais j'ai mis 7. Alors, la première porte, il y a combien de jours à la première porte? Alors. Alors, selon la dimension, l'une ouverte à une distance de 30 stades. Continue. Je m'appliquais à mesurer leur grandeur et je ne pus connaître leur grandeur.
par cette porte par laquelle il se lève, le soleil va au couchant. Amen. Par la première porte, il sort pendant 42 jours. Amen. Alors, regardons au tableau. Est-ce qu'on voit bien au tableau? Ouais. 42 portes. 42 jours. Mmh. Amen. Deuxième porte. Par la deuxième porte, 35 jours. 35 jours. Troisième porte. 35. Quatrième porte. 35. Cinquième porte. 35. Sixième porte. 42. On s'arrête là. Ça dit 42. C'est comme la première porte. Amen. C'est comme si... est en face. C'est comme si vous avez la porte numéro 1 ici. Et quand vous arrivez de l'autre côté, en face, c'est la porte numéro 6. Amen. Mais elle a le même nombre de jours. Qui veut dire que chaque porte qui se trouve de l'autre côté, c'est comme si vous percez la terre. J'adore, regarde. C'est comme si tu perces la terre, là comme ça, et tu ressors par là. Et bien, tu retrouves le même nombre de jours. Amen. Mm. Amen. Amen. Parce que, tu sais, on peut percer la terre. L'homme ne pourra pas le faire. Mais c'est quelque chose qui est possible. Amen. Qui veut dire que, arrive à la sixième, on passe à la cinquième. C'est comme si on était à la septième. Et là, en faisant arriver là, il a fait le tour là. Alors, c'est combien de portes? La cinquième, quand il fait demi-tour. Cinquième porte. 35. Quatrième porte. La quatrième était aussi de 35. Troisième porte. 35. Deuxième porte. 35. Amen. Alléluia. Alors ça fait 10 portes en tout. Amen. Et le total de ces 10 portes, ça nous donne 364 jours. Est-ce qu'on voit bien, Jeanne? Ouais. Avec les bouteilles, ça ne gêne pas. Hein? 364 jours. Alors, ça c'est très intéressant. 364 jours. Dans le livre des notes, on trouve un calendrier à 364 jours. 364. C'est un multiple de quel chiffre? De quoi? 364. De 2. De 2. De quoi d'autre encore? Parmi les chiffres de Dieu, vous avez le 3, vous avez le 7. C'est un multiple de 7. 7 fois 52 te fait exactement 364. Il y a combien de semaines dans l'année? Il y a combien de semaines dans l'année? Dans une année? Il y a 52 semaines. Qui veut dire que 364, c'est le nombre de semaines exactes. Savez-vous combien de temps que la Terre fait le tour du soleil? En combien de temps, Jeanne, la Terre fait le tour du soleil? En heure, hein? Quoi? En heure? Non, en jour, et puis et tu ajoutes l'heure aussi. Déjà, en combien de jours la Terre fait le tour du soleil? En 360... Oui, c'est ça. 65 aussi. 365 jours. Amen. Comme on va revenir dessus. Mais pas exactement. 365. Mais des heures. Voilà. 365 jours. Plus. Parce que ça finit par 24 heures pile. D'accord? Plus 5 heures. Plus combien de minutes? 48 minutes. Plus combien de secondes? 45 secondes.
Qui veut dire que quand il y a eu 365 jours, après, ça fait 366. Mais dans les 366 jours, on ne va pas jusqu'à 24 heures. On n'a que 5 h 48 et 45 secondes. Et on retourne au point zéro. Tandis que la Lune fait le tour de la Terre en 364 jours. Bon, ça on verra ça après. Mais, qui veut dire que vous n'allez pas arriver à 365 jours, 5 h 48 et 45 secondes, et puis vous allez redémarrer l'année à zéro. Vous n'allez pas faire comme ça. Alors, l'Éternel a donné Enoch un calendrier. Mais on a vu que Enoch, lui, le calendrier qu'on a vu fait 360 combien? 4 jours. Qui veut dire, vous avez, la Terre fait un jour de plus. Un jour, mais plus les 5 heures. Qui veut dire, pratiquement, environ 2 jours. Mais bon, c'est environ 1 jour et 6 heures. C'est comme si, imaginons que les jours commencent à minuit. Vous avez le lendemain minuit. Et puis, c'est comme si, à 6 heures du matin, le lendemain, que la Terre recommence à faire un tour. Et l'Éternel, il a pensé à tout ça. Et là, Enoch, nous sommes avant le déluge. Qui veut dire que la Terre, l'espace 64 jours, ils ont 1 jour et 6 heures environ de moins. Qu'est-ce que l'Éternel fait? La prochaine année qui suit, c'est une année qui a plus de jours. Et chose bizarre, on parle du calendrier des nôtres, mais personne ne signale cela. Nous allons vérifier. Et après, on va revenir sur ce décompte. Dieu lui donne le circuit de le décompte de la Lune. Alors, c'est Enoch, le chapitre 15 ou 16, je suis, voilà. 14. Voilà. Lis le chapitre 15 quand même. Le chapitre 15, c'est X et V. Et puis, c'est le chapitre 16 qui nous intéresse. C'est tout en haut, là. X et V. C'est un décompte qui... C'est ça. Qui montrèrent du soleil et des portes par lesquelles il rentre et sort. Voilà, c'est ce décompte qu'on a vu là, les 364. Là maintenant, nous allons voir un autre décompte. Vas-y, continue. Car le Seigneur qui a fait ses portes fait du soleil le cadran horaire de l'année. Le cadran horaire. C'est-à-dire que pour qu'on puisse compter les années. Amen. Maintenant, chapitre 16, il nous parle de la Lune. Et de la Lune, ils me montrèrent un autre décompte. Un autre décompte. Et beaucoup de gens qui parlent du calendrier d'Enoch, ils oublient cet autre décompte. Et vous supposez, c'est pourquoi? Si, pour rattraper le nombre de jours, il faudrait que ce décompte qui a plus de jours. Allez, continue. Ces deux hommes me montrèrent tous ces mouvements et tous ces circuits. Et ils me firent voir ces portes. Ils me montrèrent deux portes vers l'Orient en couronne et 12 vers l'Occident en couronne par lesquelles se lève et sort la Lune selon les temps habituels par la première porte de l'Orient. Ah mais déjà ça. Il nous parle de combien de portes cette fois-ci? La première fois, il nous avait parlé de 6 portes, mais on a vu que c'est en fait, ça faisait 10. Mais on ne va pas s'arrêter sur le nombre de portes, mais on va s'arrêter plutôt sur le nombre de jours. Là, il nous parle de 12 portes. Alors, continue. La première porte.
Alors, la première porte de l'Orient pendant 31 jours. On va aller doucement. La première porte, 31 jours. Contrairement à le cycle du soleil, c'était le mois du soleil, c'était 42. Là, c'est 41. La deuxième porte. La deuxième. Je suis perdue. Tu es au chapitre 16, voilà. Oui, mais dis de l'autre côté, parce que moi, comme c'est peut-être. Le chapitre 16. Dis la deuxième porte, j'ai le temps que je trouve. Attends, je vais mettre comme ça pour toi. Mets comme ça, ce sera plus gros. Non, ça bascule pas. J'ai mal le jeu. Joué. Voilà. Alors, tu lis ici. Non, tu lis ici. C'est toi qui lis. Ici, là. Là. Et la deuxième porte. Et là. Alors. Tu restes sur la lecture et chaque porte, on note. Tu ne peux pas. Et la deuxième porte pendant 35 jours. 35 jours. Pareil que pour le soleil. La troisième porte. Pendant 31 jours, c'est seulement, et pendant 31 jours. 31 jours. Quatrième porte. Alors, la deuxième, la troisième, et la quatrième, elle est où la quatrième? Continue ta lecture. Et sûrement, et par la quatrième, pendant 31 jours aussi. Oui, et ils disent quoi? Sûrement. Sûrement. La cinquième, continue. Et par la cinquième pendant 31 jours extraordinairement. 31 jours extraordinairement. Hein? Vous voyez, les autres avaient 35 jours. Et la sixième porte. Alors, et la sixième pendant 31 jours sûrement. Sûrement. Hein? Contrairement pour le soleil, c'était 42. Et la septième porte. Par la septième pendant 31 jours sûrement. Sûrement. La huitième porte. Pendant 31 jours extraordinairement. 31 jours. La neuvième porte. Et la neuvième pendant 31 jours exactement. Exactement. La dixième. Et la dixième porte pendant 31 jours. Amen. Sur la onzième. La onzième, 31 jours exceptionnellement. Et la douzième. Et la douzième pendant 22 jours sûrement. 22 jours comme les 22 lettres de l'alphabet. Amen. Et cela nous donne un total de 367. Qui veut dire que ça donne un total de 3 jours de plus que 364. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait moi un petit calcul. 364 plus 367. Alléluia. 731. Ça te donne combien? 731. Et fais pour moi maintenant 365 plus 366. 731. Vous comprenez? 366. Attends, je vais le noter quand même. Amen. Attends. Enoch, l'Éternel lui donne un décompte de 364. Amen. Et un décompte de 367. Ça nous donne 731. Aujourd'hui, on a la possibilité de noter le nombre de temps que la Terre fait. Ça, c'est sur 2 ans. Et lorsqu'on a une année bissextile, alors vous avez 365 plus 366, ça te donne 731 jours. Je veux dire que l'Éternel, parce que ça, ce calcul-là, ça fait pas longtemps que
que les jours dans les calendriers modernes, qu'il y a les années bissextiles. Enoch, l'Éternel lui avait bien donné un calcul pour mesurer le temps. Amen. Mais l'erreur qui s'est passée, les hommes comptaient pour le calendrier d'Enoch que 364. Du coup, ça le faisait prendre du retard. Ah, du coup, il rattrapait des jours. Et les hommes, c'est ce calendrier-là qu'ils ont fait. Vous voyez, 364. Vous voyez que Enoch, on a mis 42. Et ils ont mis des journées de 30 jours. Par exemple, ici, on peut modifier. Ici, 30 jours. Mais c'est plus ici que le premier mois, ils rajoutent un jour. Le premier de chaque trimestre. Il rajoute un jour. Le premier, le 4. Alors, ici, plus un jour. Plus un jour. Voilà. Comme ça, ça donnait 334. Là, c'est les un jour qu'on ajoutait, c'était les dates de Noé. Des fêtes de Noé. Amen. La date que Dieu il a commencé là et qu'il a fini l'arche. La date que Dieu a fermé l'arche, bon, on verra ça après. Qui veut dire que ce calendrier-là, à part les 364, n'a rien de commun avec ce calendrier-là. Qui veut dire que Yeshua, lorsqu'il est venu pour fêter les fêtes, à part la Pentecôte, ce sont des dates. C'est le 14, c'est le 15 du premier mois, c'est le 15, c'est le 21. Vous avez le premier du septième mois, le 10 du septième mois, qui veut dire que le calendrier est très important. Pour fêter. Et certains disent que c'est ce calendrier-là que Yeshua a suivi. Non, c'est impossible. Parce qu'on vient de voir, ils appellent ce calendrier-là le calendrier Seigneur. Ils appellent ce calendrier le calendrier d'Enoch. On vient de voir que dans le livre d'Enoch, aucun mois ne correspond avec ce nombre de jours. Première chose, ce calendrier-là, qu'on appelle, que vous allez voir sur Internet, calendrier d'Enoch, n'est pas le calendrier d'Enoch. Le véritable calendrier d'Enoch, c'est celui-là. Et on a vu que le calendrier d'Enoch, si on fait une année, si ou deux, on retrouve le même décompte qu'aujourd'hui. Parce que certains disaient que, à l'époque d'Enoch, c'est parce que la Terre tournait moins vite, non, la Terre tournait plus vite, c'était 364. Et ce décompte nous montre qu'Enoch, la tête tournait peut-être à peu près pareil. Alléluia. Amen. Puisque en ayant une année, la prochaine fois on va le faire, hein, on va comparer, là on a fait sur une année bissextile avec une autre année qui n'est pas bissextile, on a vu que ça nous donne le même nombre de jours. Mais on va le faire la prochaine fois sur 10 ans. Et voir que l'Éternel avait déjà donné Enoch le calendrier qu'il fallait. Le calendrier peut-être de 364 jours. 364 une année et 367 une année. Alors, ce calendrier-là, quelle est sa particularité? Il y a deux chiffres. 364, c'est un multiple de 7. Qui veut dire que cette année-là est basée sur le chiffre 7. La première année. L'année à 364. Et l'année à 367 est basée sur quoi? Est basée sur le chiffre 12. Sur les 12 mois. Cette année est basée sur le chiffre 7. 42
Divisé par 7, tu fais combien? Jeanne, tu es à l'école. Tu as dit quoi? 42 divisé par 7. Ça fait 6. 7 fois combien il fait 42? 6. 7 fois 6? Ouais. 42. Mm-hmm. 42, c'est un multiple de 7. Ouais. 35, est-ce que 35 est un multiple de 7? Non. Quoi? Non. Pourquoi? Est-ce que 35 c'est un multiple de 5? Ouais. Ça c'est un multiple. 5 fois combien qui donne 35? 7. Ah ouais, bah. Oui. C'est un multiple de 7. En fait, l'Éternel lui donne une année que tous les mois, ce sont des jours, des multiples de 7. Mais là, c'est 7 semaines. Et là, c'est 5 semaines. 7 semaines le premier mois, 7 semaines le sixième mois. Qui veut dire le chiffre qui est. L'Éternel lui donne un calendrier basé sur le chiffre 7, l'année solaire. Et le chiffre. Là, c'est basé sur les semaines. Et là, c'est basé sur les mois. Qui veut dire les 12. Le chiffre 12. Alléluia. Amen. Et. Ça permet que les jours perdus, comme l'Éternel voulait qu'on respecte le chiffre 7, on le rattrape avec cela. Alors, la majorité, ils ne font pas cela, parce que comme ils n'ont pas vu ce chiffre marqué, je ne sais pas comment on va y le faire, je suis le premier, ou je suis peut-être le seul à le dire. Je me dis, mais comment, le texte est là, mais comme il est marqué 364, personne n'a jamais pris sa calculatrice ou calculé, mais est-ce que ça donne 364? Ça donne 367. Hein? Vous avez le tableau devant vous, comptez, vous allez voir, ça donne 367. Le chapitre 16 d'Énoch. Énoch 364. Et ça compense. Et la prochaine fois, je vais vous montrer un tableau. Parce que nous avons trop de choses à voir aujourd'hui. Un tableau qui montre que le calendrier, le vrai calendrier des noms, non seulement n'est pas celui-là, ça c'est le calendrier, c'est un calendrier qui a été modifié. On a remis les dates de Noé. Mais à part de ça, le nombre de jours par mois, l'année à 364, bon, elle n'a pas 12 mois, mais c'est très intelligent de faire comme ça. Parce que ça permet d'avoir des mois à 30 jours, et puis juste le premier de chaque trimestre, il y a un jour de plus. Avant les 30 jours, vous avez un jour, un jour qui lorsque l'arche est terminée, bon, comme ça, je vous dis à quoi ça correspond ces jours-là. Alors, le premier du premier mois, c'est lorsque Noé a fini l'arche. Amen. Ça nous rappelle le premier du premier mois, l'Éternel a. L'inauguration du tabernacle. Alors, le premier du deuxième trimestre. Alors, du quatrième mois. Alors, cela nous rappelle lorsqu'il y a eu le déluge. Par exemple, c'est nous aussi, nous avons un problème d'eau. Mais à un moment, l'eau part dans la terre. Mais ce jour-là, quand il y a eu le déluge, il y a eu les 40 jours. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que de façon que la terre ne puisse pas boire l'eau. Il a fermé les abîmes. Même si l'eau, les 40 jours étaient passés, il a fermé les abîmes. Alors, l'eau ne diminuait pas. Amen. Et arrivé au...
Au septième, hein, c'est ça. Hein. Au septième, normalement le premier du septième mois, c'est à ce moment-là qu'il a ouvert les abîmes. Le sixième mois. Voilà. Et l'eau a commencé à diminuer. Amen. Et après, vous avez le dixième mois. Je ne sais pas si je ne l'ai pas noté. Mais c'est au moment qu'ils ont vu, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, c'est au moment qu'ils ont vu ou que la terre a séché. Ouais, au moment que la terre a séché. Alors, c'est dans le livre de Jubilé. Je vais voir si je l'ai noté pour vous. Jubilé 5 ou 6. Jubilé 5. Laisse-moi voir. Jubilé 5, peut-être, ou 6. Ouais, c'est ça. Alors, normalement, il reprend le chapitre 6, c'est mieux. Est-ce que c'est marqué? Chapitre 6. Alors, l'ouverture des abîmes, ouais, c'est ça. Voilà, le 10, c'est, voilà, le 10, c'est lorsque ils ont commencé à voir les sommets. Amen. Alors, le premier, ça représente deux choses à la fois. Ça représente lorsqu'il a fini le tabernacle, l'arche, mais c'est aussi lorsque la terre a séché l'année suivante. Et c'est à la ils sont sortis de l'arche la deuxième année, le premier du troisième mois. Amen. Bon. On aura le temps de parler de ça. Amen. Amen. Alors, là, nous avons vu que le calendrier d'Enoch n'est pas le calendrier Essénias. Parce que ce calendrier-là, c'est sur le calendrier qu'on a retrouvé dans les grottes de Qumran. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est ce calendrier que le temple utilisait. Et Yeshua, il suivait le calendrier du temple. Qui veut dire que ce calendrier-là n'est pas le calendrier d'Enoch, qui veut dire que ce n'est pas ce calendrier que Yeshua suit. Là maintenant, il faudra savoir est-ce que c'est ce calendrier. Mais nous allons voir que Yeshua n'a pas suivi ce calendrier. Amen. Pourquoi? Alors, je vous ai fait un deuxième tableau. Le calendrier à l'époque de Yeshua. Yeshua, il est mort quand? Alors, prenons Jean, l'évangile de Jean. Quel verset? Alors, plus pour la chapitre. Le chapitre 18. Mais on pourrait même prendre le... On va avant de prendre le chapitre 18. Oui. On peut... avant son arrestation, on va lire le chapitre 13. Et puis après, on va lire le chapitre 18. Chapitre 13, verset 1er. 13, verset 1er. Jean, chapitre 13, verset 1er. Là, nous allons voir... Quel calendrier que le temple suivait? C'était juste avant la fête de la Pâque. C'était juste avant la fête de la Pâque. J'applique-moi ta version, s'il te plaît. Jean, chapitre 13. Elle continue une ligne. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas, déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Amen. Qui veut dire que
C'est ce jour-là que Judas l'a trahi. Amen. C'est ce jour-là que Judas a quitté la table. C'était le dernier repas du Seigneur. Il est dit, c'était avant la fête de la Pâque. Et ta version dit quoi, Jeanne? Verset combien? Jean chapitre 13. Verset 1er. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. C'est le dernier jour. La Pâque, c'est quel jour? C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, c'est le combien? Ne perdez pas votre texte, prenons Exode. Et là, nous allons voir déjà quel jour que le Seigneur il est mort. Exode. Ça s'agit de la Pâque, non? Prenons Lévitique. Quoi? La Pâque. Prenons Lévitique, de préférence. Lévitique 23. Ce sera plus simple. Lévitique 23. Alors, Lévitique 23. Ah, je suis à Exode. Lévitique 23. Je suis pas à la bonne page. Comme ça, nous allons voir. Quand est-ce. Parce que là, ils sont à la veille. Le dernier jour. Alors, lisons Lévitique 23, verset 5. Alors, au soir du 14e jour du premier mois, à la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour du mois, c'est la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous consacrerez le premier jour de cette fête à une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte et vous n'accomplirez aucune des tâches de votre travail de la semaine. Amen. Alors, la fête, il est dit que le 14, qu'est-ce qu'il va se passer le 14, verset 5? Le 14, entre les deux soirs, c'est-à-dire le 14, entre les deux soirs, ça veut dire au moment que le soleil se couche, le 14, et que le 15 commence. C'est ça entre les deux soirs. C'est le coucher du soleil. C'est-à-dire qu'au moment que le soleil commence à se coucher et qu'il fasse très nuit. C'est-à-dire entre le 14 et... C'est parce que c'est à ce moment-là qu'on change de jour. Entre les deux soirs, qu'est-ce qui va se passer? C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Et le 15, quand tu arrives le 15, qu'est-ce qui se passe? C'est la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on mange la Pâque. Ouais. Au coucher du soleil, qu'est-ce qu'on fait? C'est au moment qu'on sacrifie l'agneau. Et lorsqu'il commence à faire vraiment noir, c'est au moment qu'on mange là. Parce que c'est pour se rappeler le dernier repas en Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qui veut dire Yeshua, son dernier repas, il a fait quand? Si c'est la veille de la Pâque, on mange le repas de la Pâque le 15. Il a mangé son dernier repas le combien? Regarde Jacques, si la Pâque c'est le 15, c'est la veille du 15. Le 14. Mais pas le 14 entre les deux soirs là, mais le 14 dans la nuit. Qui veut dire qu'il a été arrêté le 14. Amen. Amen. Et qui veut dire que le 15, qu'est-ce qu'il a dit le 15? Le 15 c'est une journée spéciale. Le 15 c'est le premier jour des pains sans levain. Verset 7, qu'est-ce qu'il a dit? En
l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Non, le verset 7. Vous consacrerez le premier jour de cette fête à une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Qui veut dire le 15, c'est une journée sabbatique. Amen. Amen. Qui veut dire que le 15, c'est une journée de sabbat. Mais une journée de sabbat qui peut tomber le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et là, nous allons essayer de voir quel jour de la semaine qu'il était. Le 14, c'était quel jour de la semaine? Amen. Et après, nous allons retourner sur le calendrier là-bas. Alors, le Christ, il est resté combien de jours dans le tombeau? 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Et 3 nuits. S'il est mort le 14, qui veut dire 15, le 15 c'est le premier jour, le 16 le deuxième jour, le 17 le troisième jour. Amen. Et on nous a dit qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Amen. Alors si le premier jour de la semaine était le 18, qui veut dire que le 10, le 7e jour était le 17. Le 6e jour de la semaine était le 16. Et le 5e jour de la semaine était le 15. Selon le calendrier hébraïque, la lettre de notre ère, le 14, c'était un mercredi. Qui veut dire que le 14 tombe le premier jour de la semaine. Le 4e jour de la semaine. Amen. Il veut dire ici, on fait comme ça là. Le 14. Là, c'est au moment où le Seigneur est crucifié. La mort. Il meurt là, le Seigneur. Amen. Et il est ressuscité le premier jour, qui veut dire que là, il fait un jour, deux jours, et là, c'est le troisième jour, c'est le sabbat. Amen. Et il est ressuscité après le sabbat. Ici, je mets un R. La résurrection. Amen. Ça, c'est le calendrier à l'époque de Yeshua. Et nous allons comparer ce calendrier avec le calendrier des Esséniens. Le calendrier des Esséniens, nous avons dit le calendrier des Esséniens, c'est un calendrier à 364 jours. Esséniens. 364 jours. Qui veut dire ce calendrier-là, il y a 364 jours. C'est un multiple de 7. Par exemple, si vous commencez l'année le premier jour de la semaine, comme c'est un multiple de 7, l'année va finir quand? Si vous commencez l'année un dimanche, l'année finit. Non, si c'est soit ça fait. Ah, ben un samedi. Qui veut dire que si toutes les années, à 364 jours, l'année commence toujours le même jour et finit toujours le même jour. Ton anniversaire tombe toujours le même jour de la semaine. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est un multiple de 7. Si le premier c'est un dimanche, le 7 sera un samedi. Amen. Qui veut dire que le 14 sera un
samedi. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, la particularité dont je ne vous ai pas dit, le calendrier essénien commençait toujours au milieu de la semaine. Ici. Commençait toujours le premier était toujours ici. Je le fais avec ça. Le calendrier essénien, le premier était toujours le quatrième jour. Amen. Le septième jour, tombe quand? Le sept. Le sept. Si le premier c'est le quatrième jour, le sept c'est quand? Jeanne. Le troisième jour. Le sept. Le 8, c'est quand? Le 4. Le 4. On va faire comme ça. Le 14 est quand? Le 4. Le 14? Le 14? C'est le 4. Le 14. Ah, ça c'est le deuxième jour? Ça, si il y a le 8. Ouais. Bon, je le mets là pour vous. Hein. S'il y a 8 là. Ouais. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le 14 tombe. 1, 3. Le troisième jour. Amen. Alors, si on reporte ça ici, là, le 14, qui veut dire que le calendrier des Esséniens, on le compare avec le calendrier de la mort du Seigneur. Pour vous savoir, est-ce que c'est le calendrier des Esséniens? Le 14, on a dit que c'était un. Tombe le troisième jour. Ici, là. Ici, le 14. D'accord? Et le Seigneur, il est mort le 14, mais non pas le troisième jour, mais le quatrième jour. Qui veut dire que les... Qui veut dire que le calendrier du temps n'est pas le calendrier des Esséniens. Parce que le calendrier des Esséniens, c'est un calendrier à 364 jours. Le 14 tombe toujours le troisième jour de la semaine. Et cette année-là, par rapport à la mort du Seigneur, comme le Seigneur est resté 3 jours et 3 nuits, et il est ressuscité le dimanche, le 14, cette année-là, tombait au milieu de la semaine, le quatrième jour. Qui veut dire que l'année de la mort du Seigneur, l'année, parce que c'est, là ils sont au premier mois, l'année n'a pas commencé le quatrième jour, mais l'année a commencé ici. A commencé le cinquième jour. Comme ça, vous avez le cinquième jour. Là, vous avez le 1, le 2, le 3. Après, le premier jour de la semaine, le 4. Le 4 ici. Là, il y a le 5. Le 6. Le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, amen, le 12, le 13 et le 14, la mort du Seigneur. Et les 3 jours dans le tombeau et le dimanche matin, disons le dimanche, le premier jour de la semaine, il est ressuscité. Qui veut dire que le Seigneur ne suivait pas cette année-là, c'était pas une année qui commençait le quatrième jour. Amen. C'est une année qui commençait le cinquième jour de la semaine. Est-ce que vous me suivez? Qui veut dire ça, c'est très important. Pour tous ceux qui pensent que le calendrier qu'on a retrouvé à Qumran, c'était le calendrier du temps, cela est faux. Ce n'est ni le calendrier d'Enoch et ce n'est ni le calendrier du temps. Le Seigneur suivait le calendrier du temps. Qui veut dire, c'est un autre calendrier que le Seigneur suivait. Et la prochaine fois, on va comparer le calendrier d'Enoch, qui est un calendrier solaire, et on va comparer aussi le calendrier des Juifs actuels, qui est un calendrier unisolaire,
pour essayer de comprendre quel calendrier le Seigneur suivait. Parce que nous, le Seigneur nous a appelés à fêter toutes ces fêtes, mais il faut qu'on fête avec le calendrier que le Seigneur utilisait à son époque pour fêter les fêtes de l'Éternel. Amen. Alors la prochaine fois, nous allons voir deux autres calendriers. Nous allons revenir sur le calendrier, le vrai calendrier du Nord que je vous ai montré. Nous allons comparer ce calendrier-là avec le calendrier d'aujourd'hui, la rotation de la Terre. Et puis nous allons calculer les fêtes de l'Éternel avec le calendrier juif. Amen. Alors le calendrier des Esséniens, certains même nient que les Esséniens aient existé. Oui, les Esséniens ont existé. Il ne faut pas écouter ceux qui disent que les Esséniens n'ont pas existé. C'était une secte, l'histoire le dit. Mais aujourd'hui, c'était pour démontrer à tous ceux, à toute la planète, que le calendrier qu'on appelle le calendrier d'Enoch n'est pas le calendrier d'Enoch. Et ceux qui fêtent Soukot aujourd'hui en pensant que c'est le calendrier de l'Éternel qui suivent, ils se trompent. Mais c'est bien de fêter Soukot. Même si c'est en retard, quand même, la Pâque, lorsqu'on la ratait, l'Éternel donnait un délai de 2 mois. La prochaine pleine lune, il fêtait la Pâque. La lune est là pour fêter les fêtes de l'Éternel. Et nous allons le démontrer la prochaine fois, à la prochaine pleine lune. Alors, la prochaine pleine lune, par rapport au calendrier grégorien, la prochaine pleine lune, ce sera le 5 novembre. Alors, ce sera le vendredi, 5 novembre. Nous allons faire continuer ce cours. Amen. Que Dieu soit béni et que vous passiez une très bonne nuit. Alors, Gandalina va prier avec nous pour remercier le Seigneur. Merci Éternel. Merci pour ton serviteur qui nous a donné ton vrai calendrier. Merci pour ce calendrier. Paul Malpille. Merci. Car ce calendrier nous permet de fêter tes fêtes. Et amen. Merci. Afin de les fixer, Seigneur. Alléluia. Merci pour ces fêtes. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, qui ont sans doute écouté attentivement ton serviteur. Merci de ton amour. Merci de bénir tous ceux qui sont dans le besoin. Pourvois à leurs besoins éternels, car tu pourvois à tous les besoins de tes enfants éternels. Et merci de ta bonté, merci de ta magnificence, merci de ta puissance, merci pour ce que tu fais. Alléluia. Et pour tout ce que tu feras aussi éternel. Car c'est à toi qu'appartient les jours, les mois et les années. Et merci pour tes bienfaits. Et donne-nous la paix à chacun d'entre nous, ta paix éternelle. Car ton Fils Jésus a dit, je vous donne ma paix. Alors Éternel, donne-nous ta paix et que nous fassions une très bonne nuit éternelle. Et merci pour ton 5e jour. Amen. Car la nuit est tombée, tu dis, pour qu'il y ait un autre jour, il faut qu'un soir arrive pour qu'il puisse avoir un matin. Amen. Merci pour ce 5e jour qui est tombé éternel, où tu as fait des choses merveilleuses ce 5e jour. Amen. Et bénis-nous tous, bénis le président, bénis tous ceux qui nous gouvernent et qui gouvernent les autres pays. Et merci pour tout, éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Alors, c'est vrai, le 4e jour, Dieu a créé les astres. Hein? Nous avons vu la lune. Mais le 5e jour, c'est le jour qu'il a créé avec tous les oiseaux et les poissons, les monstres marins. Alléluia. Amen. Hein? Les êtres du ciel et les êtres de la mer. Que Dieu soit béni, appelons le Seigneur pour sa grâce et pour son calendrier. Nous allons, la prochaine nuit, nous allons voir
un peu plus en détail le vrai calendrier d'Enoch et le comparer avec, avec notre calendrier d'aujourd'hui et voir vraiment que c'était vraiment le Seigneur qui lui avait donné ce calendrier. Et c'est dommage que tout ce qui parle du calendrier d'Enoch oublie l'année complémentaire. Il y avait des années complémentaires. Amen. Comme on fait aujourd'hui. On le fait tous les quatre ans, mais Enoch, chaque année, une année 367, une année 364, une année impair, une année paire, et cela donnait le temps. Et nous allons voir que vraiment, ce calcul est encore plus juste que notre calcul, parce que le calcul de actuel est encore plus juste, parce que le calcul actuel, après plusieurs années, il rajoute un jour pour pouvoir ne pas perdre trop de temps sur la rotation de la Terre. Amen. Que Dieu soit béni, applaudissons encore le Seigneur. Et nous vous souhaitons une autre belle nouvelle lune. Et c'est à ce moment qu'il faut, faire vos vœux, faire des vœux, souhaiter que ce mois soit un mois béni à votre entourage. Il ne faut plus suivre le calendrier grégorien pour la tête des mois. La tête des mois, c'est Rosh Hodesh. C'est la tête de la lune. Amen. C'est la tête de la lune qui est la tête des mois. Amen. C'est-à-dire le début de la lune, c'est la nouvelle lune qui est le début des mois. Amen. C'est là que les portes s'ouvrent. Hein, nous avons vu des notes, les portes. Amen. Que Dieu soit béni.